Un petit récap sur mon automower, le 320 qu'on a reçu mi-juin de mémoire. Voilà, moi je l'ai testé cet appareil sans aucun entretien. Je voulais pas du tout m'en occuper. Je sais qu'il faut régulièrement changer les lames, nettoyer un peu le dessous, le brosser, mais il y a des gens comme moi qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un robot tondeuse. Donc là, moi, je veux faire un bilan au bout de 3 mois et demi, 4 mois d'utilisation. On va regarder ensemble l'état de l'automower. Voilà, alors, on peut regarder que le plateau est en bon état. Donc pas de problème apparent. On a ici un couteau qui est toujours en place, qui n'est pas cassé. On a un deuxième couteau qui a un petit éclat. Voilà. Et on a le troisième couteau qui est là, qui est apparent, qui est un petit peu tordu a priori, mais rien de bien grave. Il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, la tonde de ma pelouse est toujours nickel. Je n'ai rien à. Si j'avais constaté un problème, j'aurais peut-être regardé avant, mais là pour le coup, c'était pas la peine. Donc les roues sont en bon état. Voilà, ça tourne très bien, j'ai aucun problème. La rotation des roues qui font la traction, c'est pareil, aucun souci. Ça fonctionne bien, j'ai pas de pète sur le carter, rien du tout. Donc ça, visuellement, pas de problème, à l'utilisation, pas de problème. Donc là, c'est le robot. A tourné, on peut constater ici qu'il a tourné 310 heures au total. Il a tendu et sous la pluie et en pleine nuit. Je m'en suis pas occupé, il a toujours tourné quasiment tous les jours pendant 4 heures à peu près. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point. Le carter est lui un petit peu rayé à certains endroits. On a quelques affaires qui traînent, hein. On a des gamins comme tout le monde. Et donc il s'est rayé un petit peu sur la cabane de jardin. Si j'ai la possibilité de le regarder, je referai une installation moi tout seul à ma façon et en optimisant un petit peu tout ça parce que je pense qu'on avait moyen de faire beaucoup mieux. Voilà, donc je suis très content de cet appareil. Merci à Husqvarna et à bientôt. Salut.